Bah, où tu vas? Oui, je veux un cœur en plus. Ce jeu est génial, hein, franchement. Ça donne envie d'y rejouer après, en fait. Même si ça prend des heures. Franchement, ça donne envie d'y rejouer après, quoi. C'est un truc de fou. Alors que moi, il dit, ouais, je vais jamais y jouer, ça m'intéresse pas trop. Et le mec, il est vénère. Eh, faudrait peindre un peu plus droit quand même, mon gars. Attends, tu veux dire l'énigme principale du truc que j'ai déjà fait? Oui, ça tu peux, oui, ça. Pour des trucs qu'on a déjà fait, oui, ça vous pouvez. On m'a donné ce nom en raison de ma marque de naissance qui ressemble à une graine de papaye. Ah d'accord. Link. Non, mais je vois l'autre réponse en fait. Elle est géniale en fait, Paya. On l'enquiquine, c'est pas sympa, mais elle est géniale. Ah, c'est tout? Ah, d'accord. Ah, oui, bah oui, c'est logique, oui. Bon, j'avouais que les flèches de feu, je les ai un petit peu utilisées sur des mobs. Du prodige, enfin deux prodiges. Ah! Bon, ça fera toujours plus armure. Faudra qu'on tient 12 photos qui ont été prises par la princesse Zelda. Si vous vous rendez aux endroits représentés sur les photos, vous retrouverez peut-être les souvenirs que vous avez partagés avec la princesse. Il vous reste 11 endroits à trouver. Ah! Ouais, mais 11 endroits, sachant qu'il y a tout ça comme carte. Oh. Ouais, ils sont tous à Necluda? Ça, c'est possible. J'en doute fortement, mais bon. Attendez. Ah non, dommage. C'était 10 minutes. Ouais, surtout Zelda. Ouais, Zelda, c'est en général, pas tout le temps, mais c'est en général assez dirigiste. Il y a une solution à un truc, et voilà. Après, c'est démerdez-vous. Faut y courir dans le magasin, lui. Ah non! Ah oui, non, d'accord. Ah oui, si, oui, c'est un magasin. Si, si, c'est ça. Mode de beurre. Ah d'accord. Ah bah, des carottes tempo. Mais elle était où la gamine? Elle était dans ce village-ci ou l'autre? Je sais plus. Ah, je sais plus. Merde. Ouais, elle est là.
Attention. Ça fait longtemps qu'on a pas fait la cuisine d'ailleurs. Faudrait que j'en fasse un jour. Ah. Le truc c'est que j'ai plus de... J'ai pas de blé. Je sais pas. En avant. Avant, ça fait un truc bien. Grillade de à grillade terre-mer, oui, forcément. Le tempo. Après la cuisine, je trouve que c'est trop long à chaque fois. C'est super long quoi. Genre j'ai beaucoup de trucs de monstres en fait. Je pourrais limite vendre les trucs de monstres parce que j'en ai tellement quoi. Pourquoi pas, je sais pas. On va faire des mélanges alors en avant. Ah. Ping. 19 cœurs. J'en ai 6. Quel con! Quelle connerie! Il y a les 20 sauvegardes que je voulais pas faire, c'est pas grave. Genre une vidéo comme ça, d'un truc qui sert à rien, mais c'est pas grave. Ah, j'allais dire c'est un truc pourri ça, mais non, ça va. Poêlée végétale. Hein? Il y avait un peu de viande quand même dedans. D'accord. Et du coup, si je mets différentes plantes, justement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fait exactement la même chose? Poêlé végétal silencieux. Oh. Ah oui, double en plus. Oh. Carrément. Bon, j'ai beaucoup de piment. Là, on piment de la viande. Hein. Pas quoi que. En fait, un plat végétarien pimenté, je vois mal en fait. Je sais pas. En même temps, je l'ai jamais vu. Donc. Peut-être que c'est ça. Je sais pas, hein. Tiens d'épicé. Ah. Ça va pas apporter grand chose. Pourquoi on peut ramasser du bois? Ça aussi, ça m'énerve. Ouais, si vous avez de quoi l'allumer, d'accord. Ah. Je vois. Est-ce qu'on peut utiliser les silex?
Oui, au bonjour, vénérable abruté, apprends à lire les descriptions et tu auras la sagesse de pouvoir allumer un peu, espèce de pâté-con. Voilà, donc c'était maître je ne sais pas qui. Il s'appelle je ne sais pas qui. Hein. Voilà. Il m'a dévoilé la sagesse de lire les descriptifs des différents objets. Comme quoi, ça peut être utile. Voilà. Non, mais après... Ça va mettre une grosse dose. J'ai mis une trop grosse dose. Ah mais vu que c'est considéré comme une plante, du coup faut pas que je le mette. Ah, un bonbon. On va mettre silencieux. 5 minutes 10, waouh. 5 vraies minutes 10 ou 5 minutes 10, ça se transforme en 5 secondes d'un dixième. Ah, d'accord. Donc ça, c'est considéré comme un aliment. Il y a de l'idée. Ah oui, c'est vrai qu'ils considèrent les escargots comme des poissons. Oh putain. J'avais oublié. J'ai pas chopé beaucoup d'insectes en fait. Ils ont tendance à s'enfuir. Donc du coup... Je sais pas, je pourrais vendre des trucs parce que voilà, si je vends ça fois 78, là je vends tout le stock. Voilà, 624 rubis quoi. Je sais pas pourquoi je me fais chier en fait. Je vais garder les ambres, mais bon voilà, c'est des trucs de monstres qu'on peut retrouver, les bokoblins. Voilà, c'est pas comme si on avait un mini, c'est pas comme si on avait qu'un quoi. Ah oui, des viscères de bokoblins, ah oui, c'est fin. Ah ouais. Bon, c'est plus rare, ça, quand même, donc on va peut-être éviter. Les ressorts, faut surtout pas. Voilà, ça se farme, quoi. Il y en a un qui tombe à chaque monstre, quoi, donc au final... Regarde tout le reste, je vendrais juste ça, quoi. Est-ce que le jeu autorise la dématérialisation et de TP? Ah non, il dit encore des photos souvenirs. Attendez. C'est juste faire la quête norme. On est d'accord, c'est juste dire ah oui, voilà, il faut. Non, c'est pas ça. Voilà. Voici un. Donc, faut juste trouver des. Soit trouver les endroits, soit. Ouais. Du coup, album. Donc, ça, je ne sais pas où c'est. En fait, je sais pas où est la plupart de ces trucs-là, en fait. J'ai peut-être vu ce truc-là, par contre.
Ça, c'est tout près du château. Château qui est quelque part par là, j'imagine. Il est où le château, en fait? Ça, par contre, ça risque d'être un petit peu fastidieux, ça. Bon, ce que je vais faire... Mais du coup, il n'y a pas de tunique complet de... merde, c'était quoi encore? Ah, le truc bleu que j'annonce, je vois. Il n'y a pas une tunique complète de ce truc-là, du coup. Bah, en fait, je voulais prendre la grosse armure. Mais... J'aime bien la capuche du... Ilienne, en fait. J'aime bien la capuche Ilienne, mais... Une tunique complète de tout. Oh. Ah ouais, d'accord. Attention, nouvelle box. Ah oui, tu m'avais dit que t'avais des problèmes d'internet ou une carte en genre, non? Ah, la capuchilienne, elle est super stylée, quand même. Ouais, le truc de soldat, pourquoi pas. Ouais, la différence de stats, elle est pas énorme, hein. C'est 4, 4 et 4. 3, 3 et 3. Non, mais c'est combien? 120, ouais. Et ça, c'est combien? 180... J'aurais le prix pour acheter les... Peut-être pas les deux, non. Ah oui, quand même. Ah oui, du coup, tu vas être tranquille, quoi, maintenant, du coup. Nice. Ah, oh, mais cette capuche, elle me... Oh, et puis merde. J'ai vu qu'il m'avait dit de pas prendre la tenue ilienne, mais je m'en fous. Au pire, on ira farmer des mobines, on refera de l'argent et c'est pas grave. Ouais, c'est stylé comme ça quand même. En plus, on peut aller faire la teinture, en plus. Oh mon dieu. Ah oui, du coup, mais ça change tout, quoi. Ah ouais. Joli comme ça.
J'ai plus d'armes en fait. J'ai plus beaucoup d'armes en fait. Je viens de me rendre compte, mais. Oui, il y a un magasin qui est en vente. En rose pour plus de discrétion, oui, bien sûr. Oh, un client. Est-ce que moi je l'avais pas vu entrer? Bah non, t'avais le dos tourné, connard. On touche avec les yeux, fiston. Ah, mais il y a du lait là. Là, les tâches, hein, qui nous en engueule. Ah oui. On touche la marchandise avec les yeux, mais tout le reste. Ah, ils vendent des flèches explosives. Waouh, c'est cher. What? Ah non, 10 flèches. Ah putain, j'ai eu peur. 5 flèches en... Ah, 5 flèches en bois, 20, c'est moins cher que l'autre, non? Et du coup, maintenant, on retourne au village Cocorico. C'est ça, hein, ouais. Et on va aller voir la fée. Du coup. C'est du coup, on n'a pas le bonus tant qu'on n'a pas amélioré les 3 pièces, c'est ça, hein. Ou on n'a pas le bonus d'une pièce tant qu'on a... Enfin... On aura le bonus d'une pièce améliorée, ou une clan d'argent de Zébu. Enfin, faut avoir les 3 pièces et il faut avoir amélioré, je sais. C'est un truc comme ça. C'est pas grave. Mais je commence à fatiguer, quand même. Et quelle heure? 2h54, ouais, putain, 3h. En fait, je resterai bien là-dessus, en fait, au final. Parce qu'il est bientôt 3h. J'avais dit que j'arrêtais à 2h, normalement. J'aime bien le rythme de 21h, 2h. Ça fait quoi? Ça fait 5h de stream? Ouais, c'est ça. En vrai, si je peux commencer à 20h aussi. Du coup, ça fait 5 à 6h. C'est cool aussi. Du coup, c'est cool. Mon Dieu, c'est... je m'y habituerai jamais à cette fée. Ah merde! J'ai plus de cornes de Bokoblin. Bon, je vais toujours faire ça quand même. Bon ben, tant pis. Ouais, on va aller tuer des... Ouais, on va aller faire ça à mon avis. Où est-ce qu'il y en aurait le plus? Autour de Slack, il y avait du Primo là, il y avait beaucoup de trucs. Hein. Ouais, je crois qu'on va faire ça, on va fermer les trucs, on va crafter notre tunique ilienne et après, bah, on en restera là, je pense. Puis ça me permettra de récupérer des armes, parce que j'ai perdu beaucoup d'armes, quand même. Ah, marrant, ça. Les sources chaudes permettent de revitaliser, de se revitaliser. Oh. Oh. D'accord. Alors, du respawn, il y a une... Ah, d'accord.
Ils auraient respawn ici, mais pas du tout. Qui c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette fleur? Elle a changé de couleur ou je rêve? Ah d'accord. En effet, tu m'as trouvé! Alors, à voir, Dio. Ah d'accord. Tout ça pour ça au final. Oh le bâtard! Ah ça c'est dégueulasse! Attends, c'était des bokoblins ou les... Ou c'était les autres trucs? Oh merde, je sais plus si c'était les cornes de bokoblins ou si c'était les cornes de moblins. Oh, je sais plus. Oh merde. Je crois que c'était les squelettes, mais j'ai un gros doute. Ah mais c'est des bokoblins, ah d'accord, c'est... Ah oui c'est des bokoblins squelettes, d'accord, oui, donc ça... Je suis con en fait, je suis vraiment trop con. Ah tiens, ce drapeau, je le mettais là-bas. C'est pas un truc ça, si? Non, je crois pas. Quoique. C'est un truc qui est près du château. Ça, c'est sûr. Enfin, proche du château. Excusez-moi. Mais ouais, je vais pas trop tarder. Ah, ça se... Ah, les crocs, leurs crocs et leurs cornes, ça se ramasse à la pelle, quoi. Il suffit de trouver un camp et...
Bon, par contre, du coup, je serais quand même tenté d'aller. Mais le château, il est où en fait? Il est par là. Ça fait loin? En fait, c'est dingue à quel point on fait du con on fait plein de contenu sans voir un boss. Si on en a vu un, le gros squelette, dont je ne sais plus le nom. Moi, ça restera le gros squelette. Oula, pardon. Après, là, je suis embêté parce que j'aimerais bien continuer à jouer à Breath of the Wild, mais j'aimerais bien continuer aussi mon grind sur Path of Exile, quoi. Donc, du coup, c'est difficile de choisir. Merde, je vois plus Shadow. Ah tiens, il est là. Il est toujours là, plutôt, je voudrais dire. Ah, mais j'ai récupéré quelques noix depuis. Putain, on a déjà eu cette discussion. Merde, il est où ce château à la con? Je voyais, en fait, je me suis rapproché et de là où j'étais, je le voyais et là. Ah tiens, c'est celle qu'on a vue la dernière fois. Et je vois plus le château, c'est quoi? C'est quoi cette couille? Ah, là-bas, apparemment, il y a une vision. Une vision, une. Ah merde, ça l'a pété. Ah mais c'est vachement loin. Ah mais on les voit de loin en fait, hein. C'est chaud. Il y a un milliard de tours l'une à côté de l'autre aussi. Oh, ça a rien à voir, c'est pas ça? Je sais pas. Ah, le château est là-bas. Ah oui, du coup, oui. Pour une fois que je n'ai pas de cheval. Mais ouais, je vais pas tarder à arrêter, je pense. En fait, ce qui serait bien là, là, ce qui serait vraiment cool. Bon, je peux sauvegarder où je veux, hein. Mais ce qui serait vraiment cool, ce serait un sanctuaire, en fait. Comme ça, on finit sur un petit sanctuaire. Ah, j'en vois un là-bas. Il est un peu loin. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est aller à la tour qui est là-bas, et puis aller au sanctuaire. Du coup, t'as 3 fois plus de débit à cause de la box ou parce que t'as changé d'opérateur? Du coup, ça, j'ai pas compris. Ou les deux? Ou possiblement les deux plutôt. Oula.
Ah, la box. Non, plus on se rapproche du château, plus il y a de chances qu'on tombe sous ces merdes. Ruine du camp militaire. Ah oui. Oui, il m'a vu. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il s'attaque pas aux passants en fait. C'est genre, il y a un mec avec un son cheval juste à côté, il en a rien à cirer. Oh merde, il y en a d'autres. Oh merde. Ah, je peux juste pas passer quoi. Que quoique. Oh merde, il m'a vu. Les deux m'ont vu. Oh, ils sont trois. Oh là là, je vais tellement me faire dégommer. Ils sont vénères, hein. Trop, ils cherchent en plus, hein. Ouf. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais. Ah, le jeu il est génial pour le moment, je kiffe vraiment. C'est chaud, hein. Ben, tout ça pour ça, quoi. Ça passe inaperçu. C'est celui-là que j'avais marqué. Ouais. Ouais, c'est chaud. Hein. Apparemment, là, faut que je monte, mais. Ils vont pas me sniper quand même. Quelle bande de bâtards. Et c'est un miracle que je m'en sors vivant de cette connerie quand même.
Oula. Ah mais y en a un autre là, attends, c'est le même ou genre... Je... Non c'est un autre, non c'est le même, c'est celui... celui vers lequel je vais, ouais. T'as dit, putain y en a un autre, mais non rien à voir. J'ai presque envie de finir sur le souvenir mais c'est loin quoi. Voilà, c'est aussi loin que ça tu vas me dire. Non on va finir sur le sanctuaire, on fera le souvenir demain. Ce sera très bien comme ça. Je préfère galérer sur une énigme que de continuer l'histoire. C'est pas cohérent ce que je viens de dire. C'est pas grave. On va dire que. Hein. Y'a un truc déjà activé là-bas? Attends. Tu sais, c'est juste à côté de la zone de début ça? Ah bah apparemment oui. Ah oui. Putain oui. Ah oui, c'est juste à côté du. Merde. Putain, je t'ai passé à côté quoi. Attends, en théorie, la zone du début est juste à côté de la zone de fin aussi, donc bon. Ça se discute, quoi. Ah, ça a quand même fonctionné, bon. C'est approximatif, mais on va dire que. Oui. Yahoo. Oui, je m'étais rendu compte qu'il y a un truc tout près, le jeu. Merci, j'avais vu. Ça fait un moment qu'on l'a vu d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais il y a un relais ici! Ah merde! Putain, mais on me dit rien! Il y avait un relais. D'accord. Enfin, un relais, il en reste. Et il y a le marchand qui est là en plus. Bon, qui nous fait payer à prix. Hein? Plus qu'abusif apparemment. Et là, il se barre, hein. Ah, il y a le peintre qui est là d'ailleurs. Bon, j'ai la flemme, je reviendrai pour la quête. Bon, je suis pas là pour ça. Merde, il est où le. Par là. T'es là ou non? Ouais, voilà. Eh, faisons ce ça se trouve, elle est horrible ending, je vais mettre 10 000 ans et je vais pas aller dormir avant 4 h du matin, mais on sait jamais, mais bon. Sanctuaire de Ruyotao. T'as mon père, d'ailleurs, je pensais à un truc que mon père, il adorait la couleur bleue, quoi, donc il aurait kiffé voir tout ce bleu partout. Ah, faut une clé dès le début. C'est le jeu qui dit démerde-toi. Il y a un truc aussi sur quoi faut taper. Oh là là, ça a l'air compliqué ce truc. Oui, effectivement, ça a l'air bien compliqué ce truc là. Hein. Oh là là. Pff. Il y a une boule, donc j'imagine qu'il faut aller chercher une boule, qu'il faut la balancer là-dedans.
Puis il faut activer ce truc-là pour faire aller la boule de l'autre côté. Mais la boule, on sait pas où elle est. On doit y avoir un clin avec la glace ici. Non, j'ai dit avec la glace. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, je suis un peu perdu. Il faut que je trouve une boule, mais elle est où? Elle est là-bas, je crois. Non, c'est un coffre, ça. Qu'est-ce que j'ai à faire là, en fait? Oh là là. J'avais dit que je voulais une énigme facile avant d'aller dormir, tu parles. comment dire? C'est un peu raté. Y a pas une arnaque? Non, y a genre une grosse arnaque, non, on est d'accord, non? Ah, mais le jeu t'en empêche. Ah, les bâtards. Quoique. Ah mais la boule est là en fait. Hein? Mais attends, what? Il y a un coffre là. Ah merde, ça l'a pété. Ah mais quelle connerie. Ça me remet au tout début? Ah non, ça me remet là, d'accord. Ah oui, d'accord, mais je suis tombé dans l'eau, je vais me retaper le chemin comme ça. Hein. Bon, effectivement, dit comme ça, du coup, c'était le bon plan. Y'a pas pourquoi, mais je sens que c'était pas exactement comme ça que je voulais faire pour passer de l'autre côté de là. Et du coup, j'ai la petite clé. Ah, mais d'accord, non, j'étais obligé d'aller chercher la clé là en fait. Du coup, ça servait à rien de remonter là en fait, parce que du coup, fallait quand même rester dans l'eau, non? Oui, c'est ça. Du coup, ça me permet d'ouvrir. Oui. Ah oui. J'ai l'impression que j'ai un peu arnaqué le jeu en fait en passant par en dessous ici au lieu de passer de l'autre côté, parce que j'ai l'impression qu'il fallait passer de l'autre côté, hein, totalement, non? Ou absolument rien à voir. En fait, je sais pas. On sait strictement rien pour être honnête. Bon. Voilà. Donc on voit la petite porte. Et voilà. Ah. Le Val. Ah oui, d'accord, pour aller chercher le coffre, aller. Lame Rémige. Cette épée piaf au double tranchant a été allégée pour permettre des mouvements rapides, même dans les airs. Huh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est le truc que j'ai tapé. Ah ouais, c'est pas encore fini en fait. Ah.
chose quoi là en fait. Là, ça me permet juste d'aller sur le toit ou d'aller là-bas, mais... Où est le reste de l'accès, en fait? En fait, je vois pas par où on passe, en fait. Il y a un autre truc... Merde. Il y a genre ça, quoi, mais... Ah mais je peux récupérer ma flèche, lol. Ah merde, je fais comment là? Ah mais non, escalier. Ah, une de mes flèches en tout cas, je sais pas où sont les autres mais... Ah, celui-là, je suis un petit peu... Je suis en train de me dire, merde, comment on fait? Hein? Depuis quand c'est ouvert, ça? Ah oui, quand j'ai pris le coffre, oui, forcément. On peut pas aller plus haut en fait, c'est ça le truc qui m'embête. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et remettre ça en place, ça s'en jouait, on est d'accord? Ouais. Ah si, attends une minute. Ah si! Ah mais d'accord, j'avais pas compris que ça activait tout en fait. Ah moi je suis pas du tout passé de la bonne manière. D'accord, ça change tout. Ah. Et du coup ça le met là. Ah d'accord, je vois. Et du coup faut le remettre. Ah d'accord, le jeu m'a dit va te faire foutre. Et du coup, mais ça m'ouvre le passage, je vois. Ça me fait chier, j'ai grillé plein de flèches, mais soit. Il y en a une de l'autre côté, je viens de la voir. Plusieurs même. Je peux pas prendre celle-là? Ah merde. Je vois. En fait, ça bouge absolument tout, en fait. Du coup, pour pas que je sois bougé, faut que je me mette où en fait. Ah bah oui, bah sur la, oui bah. Pas vraiment le choix en fait. Ah mais je peux pas aller assez loin si. Ah si. Et du coup, le coffre, il est un peu mandatoire, non? Ou il y avait un autre moyen, peut-être? Je sais pas. Soit. Pas de conseil, pas de spoil. Zello, je sais que je viens d'arriver, mais je précise. Hein? Ouais, bon, c'est plus facile comme ça. Hein. Ben oui, oui. Est-ce qu'on peut tirer en ayant le paravoile? Non, ça on peut pas, je pense. Bon, aller sur le coffre, c'était plus facile au final. Après... Non, t'es obligé d'avoir la paravoile, toi, tu pouvais pas descendre. Parce que tu meurs en sautant, donc, de toute façon. Oui, mais je te préviens, comme ça, pour les prochains streams, tu sais, pas de spoil, pas de conseils, rien. Que dalle. Je veux faire fonctionner mon cerveau de temps en temps, tu vois. Même si là, il est plus très frais.
Mais voilà. Du coup, on a fait ce qu'on voulait faire. Et du coup, c'était la... Désolé, du coup, c'est l'autre, mais c'était le dernier truc du stream. Du coup, voilà. Du coup, on va sauvegarder. Ah non, mais pas tout de suite. Enfin, t'as de la chance que ça arrive après. Voilà, le principe, c'est voilà, zéro conseil, zéro spoil. Mais je vais l'écrire, hein, je vais finir par l'écrire. Hein. Sur le stream, dans le titre du truc, Mais en fait, j'ai pas envie de l'écrire sur le stream et, dans... et sur le stream, parce que si les gens, en ayant ça et ça, éventuellement un message dans le chat qui dit tout l'instant, ne veuillez pas spoiler, et que les mecs, ils spoilent, bah dans le principe, je devrais les ban, en fait. Alors ça se trouve, ils ont pas fait exprès, tu vois, ou qu'ils ont pas fait attention. Du coup, j'hésite. Et un autre truc aussi, c'est qu'il y a des gens, quand ils voient ça, ils disent « Ah tiens, je vais spoiler l'histoire à ce bâtard, comme ça, ça le fera, comme ça le fera bien chier. » Ah, t'avais coupé le son. Non, oui, mais voilà, bah... Voilà, c'est le principe, c'est zéro spoil, autrement... Comment je t'éclate ta gueule. Mais j'ai combien de... Il y a juste un truc que je voulais peut-être vérifier avant d'aller dormir. Merde, c'est où? Sacoche. J'en ai combien? J'en ai récupéré combien de nouveaux des trucs? Ah, 9. Avec 9, j'aurai assez pour améliorer tout? Je suis pas sûr. On va aller vérifier. Voilà. Mais même aider... Enfin, je sais que ça part un vrai bon sentiment. Mais voilà, dans le principe, déjà, j'aime pas qu'on m'aide. Laissez-moi tranquille. Mais non, voilà, dans l'idée, ouais, c'était vraiment... Voilà, c'est... Il faut me laisser faire, laissez-moi trouver... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup... C'est pour ça que j'ai toujours été un peu réticent à faire des playthroughs de jeux, surtout des jeux où il faut parfois réfléchir un petit peu, parce que les gens, ils sont là, après 30 secondes, « Oh, mais ils trouvent pas, c'est comme ça qu'il faut faire !» Du coup, en plus, c'est le genre de personnes qui te disent la solution après 30 secondes, alors que eux, ça se trouve, ils ont mis une demi-heure pour trouver, tu vois, donc... Ah t'es, il a disparu vite, celui-là, la vache. Est-ce qu'on peut dégommer des fées? Ah oui, mais ça rebondit. Est-ce que si on jette une flèche dans l'eau, elle est pas contente? Ah non, on s'en fout, apparemment. Il a fait combien? 5. Ah oui, 5 pour chaque élément. Oh là. Ouais, du coup. On va faire la capuche au moins. Du coup, j'ai vendu les cornes des autres bâtards un peu vite. En même temps, j'aurais pas pu acheter l'équipement si j'avais pas fait, donc... au final. Hein. Enfin, voilà. On va arrêter là pour ce soir. Donc, on va re-sauvegarder, du coup. Comme ça. Donc là, je vous remercie à tous pour ce stream, c'était plutôt génial d'ailleurs. En plus, on a reçu 10 euros de moteux, on a eu un petit sub de Krusty Bat,
33, Krusty Bats 33. Donc c'est super cool et du coup on avance un peu, on est un peu plus proche du matériel sonore, ça c'est cool aussi. Et du coup je vais vous laisser, je vous souhaite à tous une bonne nuit, faites plein de cauchemars. Et voilà. Mais voilà, donc, ouais, bonne nuit, tout ça. Et en plus, on a un beau highlight à faire. On a défoncé un... C'était quoi encore? Un féline? Ah non, pas un féline. C'est autre chose, ça. Féline, c'est dans Dofus. Explode, faut se calmer. Non. Si? Les félines. Non, c'est dans autre chose. J'ai plus. Allez! À la prochaine!